Hey, Madelot ici d'Effroi pour aujourd'hui vous présenter un tutoriel pour pouvoir réaliser cette maison là, cette ville là sur falaise sur Minecraft, parce que oui, vous regardez bien, elle a des gros pilotis en pierre et s'avance dans le vide de cette manière là. Ce qui a un côté pratique d'ailleurs, parce que vous ne pouvez avoir des attaques de mobs, hein, si vous êtes en survie, vous ne pouvez avoir des attaques de monstres que d'un côté de la maison, et pas de l'autre évidemment, vu que c'est dans le vide. Et regardez-moi ça, est-ce que la maison, elle est pas stylée, sans déconner, hein? Et en plus je dis ça, mais regardez-moi la vue que vous avez, regardez la vue depuis, hop j'enlève le F8, regardez la vue qu'on a depuis la terrasse, c'est quand même pas beau ça, hein? Et en plus vous avez accès directement à la montagne. Non, moi je dis franchement, franchement c'est cool. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de visite. Vous voyez, on a entièrement aménagé l'intérieur de la maison sur Twitch d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Mais surtout, ce que j'aime bien moi avec cette maison, c'est imaginez, vous êtes sur votre partie avec vos potes et vous avez votre pote qui a fait cette maison là et il vous dit oh, regardez ma maison elle est trop bien, et du coup il vous dit oh ouais super ta maison elle est trop bien, regarde la mienne. Voilà. Et après tu regardes sa tronche se décomposer et se dire ah, ah ouais, ouais si elle est pas mal ta baraque, tu vois. Et au fond de lui vous sentez qu'il est en train de mourir de l'intérieur tellement il est jaloux, tu vois. Ça c'est bon. Et pour pouvoir réaliser ça vous-même, pour pouvoir avoir ce sentiment-là aussi vous-même de satisfaction, vous voyez, intense, eh bien je vous invite à suivre le tutoriel qui va suivre. Ok, donc pour commencer, j'ai enlevé la maison et je vais vous dire comment on va faire le terrain, le terraforming, donc la falaise elle-même. L'idée, c'est que j'ai voulu faire un terrain très simple à pouvoir refaire sur Minecraft, hein, évidemment, parce que, voilà, il faut bien. L'idée, c'est d'avoir une falaise qui est en réalité juste de en marche de un bloc par un bloc à chaque fois, un bloc en diagonale, vous voyez, comme des escaliers finalement, voilà, qui descend comme ça. Donc l'idée c'est que pour avoir la largeur de la maison plus un petit peu de marge sur les côtés, il vous faudra 130 blocs de largeur, comme ça, d'accord? Et au minimum, je dis bien minimum, 18 blocs de profondeur, puisque vous voyez, là j'ai mis les repères pour les piliers qui soutiennent la maison, hein, seront à 18 blocs en dessous du haut de la falaise ici, d'accord? Évidemment, c'est encore mieux si vous avez encore de la marge en dessous. Là, par exemple, moi, sur ma falaise ici, j'ai entre le haut de la falaise à ce niveau-là et la plaine en bas, j'ai 41 blocs de différence. Donc voilà, ça vous donne une idée. Donc voilà, c'est vraiment... j'ai voulu vraiment faire ça pour que ce soit simple à pouvoir refaire. Hein. Vraiment, voilà, c'est en escalier, un bloc par un bloc à chaque fois, comme ça. Sur 40 blocs de profondeur... et 130 blocs de large, d'accord. Mais avant toute chose, avant de commencer vraiment la maison et vous donner les dimensions pour pouvoir creuser dans la falaise ce qu'il faut, je vais vous donner l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser la maison. Allez hop. Vous aurez aussi besoin de ficelles, hein, et du coup, là on le voit pas bien, mais c'est de la ficelle. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va revenir sur notre trou. Et l'idée, voilà, c'est de construire un trou comme ça. Normalement, vous voyez, c'est en escalier comme ça sur toute la longueur. Hein. Et pour pouvoir creuser dans la falaise, je vais vous donner toutes les dimensions. À savoir juste que les dimensions que je vais vous donner, là, les blocs, je vais montrer des blocs sur Minecraft. Tous les blocs que je vais vous montrer seront dans le trou lui-même, d'accord? Donc, allez, je vais vous montrer tout ça.
marquée pour la partie du dessus. Maintenant, pour creuser la partie du dessous, ce que vous allez devoir faire, si je reprends la profondeur à partir d'ici, il vous faudra creuser de 7 blocs de profondeur pour arriver ici. On a bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de profondeur. Ok ? Donc maintenant, je vais vous donner les dimensions. Hop ! Avec tous les blocs à l'intérieur du trou, bien sûr, pour pouvoir réaliser le deuxième trou. Hop ! Voilà, maintenant j'en ai profité aussi pour mettre en place le premier étage. Alors, petite précision aussi, peut-être certains d'entre vous peuvent se poser la question de savoir à partir de où les blocs sont comptés lorsque les blocs sont comme ça, par exemple. Hein, eh bien, je les compte à partir d'ici, vous voyez, véritablement. Donc à partir de la marche, de la falaise, on va dire. D'accord ? Hop. Donc voilà, maintenant pour placer le premier étage ici, il va vous falloir utiliser du quartz lisse, d'accord ? Et on va le placer juste au-dessus du trou qu'on a fait, hein, classique. Hop, donc voilà, je vais vous donner les dimensions pour réaliser ce premier étage. Et une fois qu'on a ça, eh bien on va venir remplir la surface de notre étage, hein, comme d'habitude, avec du quartz lisse. Hop. Ok, donc j'ai rempli la surface et j'en ai aussi profité pour poser le deuxième étage à ce niveau-là. Alors, du coup, le deuxième étage, évidemment, on va reprendre le quartz lisse et on va l'intégrer à un bloc dans le sol par rapport au haut de la falaise, hein, du coup. Et normalement, si vous avez bien tout bon, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur sous plafond avant d'arriver au deuxième étage par rapport au premier. Voilà. Alors, petite précision aussi au niveau du deuxième étage. Ce coin-là est rogné, vous voyez. Ce coin-là est... voilà, on a enlevé le coin. Ici donc, hein, sur le plan général, je vous montre. Ok, donc une fois qu'on a ça, je vais vous montrer les dimensions. Et voilà, une fois qu'on a ça, on va faire comme d'habitude le remplissage de la surface avec du quartz lisse. Et hop. Ok, j'en ai profité aussi du coup, en plus de finir la surface, pour pouvoir poser le troisième étage. Le troisième ou le quatrième? Non, c'est le troisième, très bien. Donc, pour préciser du coup, le troisième étage, on va le superposer par rapport à ici. Vous voyez l'espèce d'angle à ce niveau-là, vous voyez, à l'arrière de la maison. Eh bien, on va, avec l'étage du dessus, avoir exactement le même qui va être juste au-dessus. Comme ça, vous avez un repère. Et on va le mettre à 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur sous plafond. Et à partir du 6e bloc, on va mettre notre 3e étage. D'accord ? Alors, je vais vous donner toutes les dimensions pour le réaliser. Et maintenant, comme d'hab, on va remplir la surface. Et on fera l'étage d'après. Hop, allez, on commence. Et hop, voilà, donc maintenant on est habitué, j'ai placé tous les blocs pour la surface ainsi que la partie du toit du dessus. Alors il faut savoir que le toit qui ira, le dernier toit, hein, le toit final, enfin le toit quoi, va être en trois morceaux distincts. D'accord ? Il y aura une partie en dalle, donc en dalle de quartz à ce niveau-là, sur toute une longueur ici, d'accord ? Et... voilà, pour pouvoir la situer, on va prendre le bord à ce niveau-là, d'accord ? On va compter un bloc par l'arrière et on monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 blocs de hauteur pour placer nos dalles, d'accord ? Ok, la deuxième partie du toit que je vais vous montrer, on va prendre ce coin ici qu'on vient de faire, d'accord ? Et on va compter... Alors attends, ça fait 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur sous plafond. Et au sixième bloc, on met notre toit. D'accord ? Et donc en bloc de quartz, par contre, ce coup-ci. Voilà, je vais vous donner les dimensions pour réaliser ces deux morceaux de toit. Ok, donc bah, comme d'hab, hein, on va remplir les surfaces. Ici, en dalle. Yep.
et de l'autre côté en bloc de quartz lisse, évidemment. Allez, hop. Hop. Ok. Alors, du coup, on va faire la troisième partie du toit maintenant. Et pouf, par la magie du montage. Alors, pour réaliser cette dernière partie du toit, on va venir prendre un repère comme ici, là, par exemple, le coin qu'on avait ici. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 blocs de hauteur pour poser notre toit. Ok. À partir de là, je vais vous donner les dimensions, tout simplement. Hop. Ok, donc bah comme d'habitude, on va remplir maintenant la surface. Hop. Hop. Ok. Donc une fois qu'on a ça, alors j'ai rajouté 2-3 trucs pour faire les murs. Maintenant, on va faire les murs. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre directement le toit qu'on vient de faire. Et on va venir ici, là, sur toute la ligne sur le côté, ok, mettre un grand mur, hop, voilà, sur toute la ligne, j'ai un bloc qui a manqué, sur toute cette ligne-là, on va mettre un mur qui va descendre sur toute la longueur, ok, allez, on fait ça, yep, ok, donc ça, c'est pour un premier mur, du coup, on va mettre un mur ici aussi sur le côté, là, vous voyez, sur l'autre partie du mur, du toit qu'il y avait ici. Et sur toute la longueur à ce niveau-là, eh bien pareil, on va mettre un mur. Hop. Hop. Ok, donc voilà ce que ça donne. Hein. On commence à voir un peu la forme de la maison qui apparaît. Alors, au niveau de l'étage juste en dessous, on va venir prendre ce coin-là comme repère. Ok. Et sur cette ligne-là, en fait, eh bien en dessous, on va mettre une ligne qui va traverser toute la maison. Une ligne de bloc. Hein, en dessous, comme ça, on va faire un mur... tac tac youp et tout du long, et de l'autre côté ici de la maison on va voir qu'elle va dépasser, le mur va dépasser, vous voyez, de deux blocs de cette partie là, d'accord, comme ça, et donc on va avoir un mur qui va faire toute cette taille là, d'accord, yep, ok. Et pour en dessous du coup, pour le dernier étage ici, on va mettre tout un tas de murs en fait un peu différents. Donc je vous invite à reprendre du coup ce coin là comme repère, et on va mettre 1, 2, 3, 4 blocs comme ça, hop, pour le mur. Alors on peut même aller jusqu'au bout, tiens, jusqu'ici, ok, voilà, sur toute cette partie là. Et après on va compter, donc à partir de ce bloc là, 17 blocs jusqu'ici, d'accord, et on va faire un mur, hop, comme ça, qui va combler tout cet espace là, hein. Hop. Et ok, donc par l'arrière d'ailleurs, vous voyez ici, hein, on va mettre toute une ligne à ce niveau là de blocs tout jusqu'au bout, tout jusqu'au mur en terre qu'on avait au départ, et on va mettre, bah voilà, tout un mur entier de quartz sur toute la longueur. Hop, alors hop, voilà, on y voit un peu mieux. Donc voilà, on a fait un mur sur toute la longueur ici. Maintenant, on va venir prendre le coin à ce niveau-là comme repère, d'accord? On va venir mettre un premier pilier comme ça, et on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs dans ce sens-là pour mettre un mur, ok? Hop, hop, d'accord? Et puis dans ce sens-là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs pour mettre un mur de la même façon, hop. Voilà, si j'arrive à placer les blocs où il faut. Ok. Donc, on va à l'intérieur ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs où il n'y a rien du tout. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs pour faire un autre mur. Hop, ok. Donc, on n'a pas fini avec les murs, mais pour l'instant, on met des murs juste en quartz. Comme ça, au moins, on est bien. Alors, on va faire un dernier mur ici. Donc, on va... Alors, dans le prolongement du petit coin qu'on avait ici au niveau de la terre, d'accord? On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Alors, attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 blocs de longueur. Normalement, on arrive pile poil à ce niveau-là, d'accord? Et on va remplir, bien sûr. Ok.
Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre en place les rebords de la piscine que l'on va prolonger sur la ligne du mur ici comme ça, sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, j'ai pas précisé, mais on va prendre du béton bleu, d'accord ? Du béton bleu clair. Donc sur 11 blocs par devant le mur ici, normalement vous avez un bloc de décalage par rapport au bord de la falaise. Après vous prolongez tout simplement le béton bleu tout jusqu'au mur au bout là-bas, tout simplement. Et ici pareil, 11 blocs, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, normalement vous arrivez en dessous, vous voyez, cette partie ici. Donc l'idée maintenant, c'est de monter comme ça les murs de la piscine jusqu'à un bloc en dessous du niveau qu'on a à ce niveau-là, d'accord ? Pour arriver ici. Et il faudra faire ça du coup, jusque... On va s'arrêter à ce niveau-là, là en face de ce mur-là, d'accord ? Hop, comme ça, et jusqu'ici, je crois. Ah non, bah non, du coup, voilà, jusque là. C'est là pour ça, d'ailleurs, qu'on avait mis un espèce de coin. Hop, comme ça. Ok. Et on va prolonger, hop, le béton bleu sur toute cette partie. Et évidemment, toute la partie à ce niveau-là, ce sera du vert. D'accord ? Et donc, on va remplir de béton bleu toutes ces grandes zones-là qu'on a quadrillées. Allez, hop. Hop. Voilà ce que ça donne du coup. Et maintenant, bah, on va remplir toute la surface avec du béton bleu clair. Hop. Et bien voilà, c'est tout beau tout propre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place la terrasse qui va venir autour de la piscine directement. Et donc, on va venir commencer avec des dalles de quartz. Ok, on va venir prendre des dalles de quartz et aussi des blocs de quartz classique lisse. Alors les blocs, on va venir les mettre ici, là, vous voyez, sur normalement vous avez ça comme ça, hein. Et donc sur cette partie-là, on va mettre des blocs de quartz et sur tout le bord ici de la piscine, hein, youp youp, tout jusqu'ici, et on va mettre des blocs de quartz aussi, hein. D'accord. Et on va venir prolonger tout ça par des dalles. Par 1, 2, 3, 4, 5 blocs par devant, comme ça. Ici, sur le côté, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs de quartz. D'accord ? Puis après, ici, sur la longueur, dans ce sens-là, on va en avoir 22. De là jusqu'à là, 22 blocs de longueur. Et normalement, vous êtes aligné avec la partie du mur qu'on avait laissé là-bas. Et il n'y a plus qu'à aller en ligne droite, touche que là-bas. Donc, pour ceux qui veulent les dimensions... Hop, 29 blocs, normalement vous arrivez pile poil ici. Ok, et une fois qu'on a ça, on va venir, hop, remplir toute cette surface là. Alors évidemment, il faut mettre les blocs, hein, les dalles, sur la partie supérieure du bloc ici, hein, vous voyez. Pour avoir une dalle d'écart entre toute cette zone là et le reste de la terrasse ici, d'accord. Allez, on bouge tout ça. Hop. Voilà, alors du coup j'en ai profité pour placer la deuxième couche de la terrasse, donc on va utiliser des dalles de roche lisse, ok. Donc l'idée, c'est qu'on va venir se placer par derrière, on va commencer par derrière ici, on prend le dernier bloc de dalles qu'on avait mis, on va sur un bloc sur le côté et on met notre première ligne comme ça de roche lisse, ici comme ça. Donc sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs de longueur dans ce sens-là. Et on doit donc être un bloc par derrière les dalles qu'on vient de mettre en quartz. Ok. Puis après on va de ce sens-là sur, youp, sur 20 blocs de longueur. Hein, on laisse une bande de quartz ici sur le côté. Ok. Puis après dans ce sens-là, youp. Sur 25 blocs de longueur, jusqu'ici, hein, de ici à là-bas, hein, entre les deux coins. Et entre ce coin-là et ce coin-là, bah, on arrive jusqu'au bord de la piscine, donc on a 5 blocs, hein, à ce niveau-là. Puis après, on longe complètement la piscine, comme ça, tac, tac, et on revient ici. D'accord ? Et une fois qu'on a ça, bien, on va tout simplement remplir la surface avec des dalles de roche lisse. Hop ! Voilà pour notre... terrasse, donc on finira évidemment les finitions plus tard. Alors à ce niveau là
On va faire l'escalier tout de suite parce que c'est vrai que ça va être plus pratique. Donc l'escalier, on va le mettre en dalle de quartz, hop, comme ça. Et on va le faire monter comme ça petit à petit. Hop, et paf, vous voyez, on arrive pile poil là où il faut pour faire l'escalier. Donc l'idée, évidemment, c'est qu'on va prolonger l'escalier, voilà, sur toute la largeur. Hop, comme ça, d'accord. Donc ici, normalement, hop, il va falloir boucher les trous pour que ça se voit pas. Pareil du côté de la piscine. Hop. Et là, on va un petit peu améliorer la piscine ici parce que on va, en fait, voilà, venir mettre les blocs de béton bleu comme ça, hein, histoire de suivre un petit peu l'escalier. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir prendre les blocs de verre et on va venir, hop, ici, hop, prolonger sur toute la largeur, ici, comme ça, hop, ici, comme jusque là, et puis, bah voilà, on va faire, oula, 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 on va mettre le mur en verre sur toute la hauteur, évidemment, hop. Ok, donc une fois qu'on a fait la piscine, on va faire les murs, on va mettre en place les murs. Ou tout du moins, je vais vous dire où est-ce qu'on va poser les murs et après il faudra les mettre jusqu'à... Il faudra les construire jusqu'au plafond. Vous voyez? Donc là, voilà, j'ai placé tous les murs, je vais vous dire où ils se trouvent. Et après, il suffira tout simplement de les faire monter jusqu'au plafond. Donc du coup, on va commencer avec l'étage du bas. On va venir ici sur notre coin. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Un bloc par devant et on va utiliser du coup de l'ardoise des abîmes carrelés pour pouvoir faire un pilier à ce niveau-là. Ok. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs et au 6e on fait un deuxième pilier. 1, 2, 3, 4, 5 blocs. 6e bloc, on refait un pilier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6e bloc, on refait un pilier. Et ici, sur le côté, on va compter 3, 4, 5, 6, 7 blocs et un pilier collé contre le mur à ce niveau-là. À ce niveau-là, ici, on va compter 1, 2, 3, 4 et 5 blocs pour pouvoir mettre une ligne ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs d'ardoise des abîmes. Ok. Ici, sur le côté, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs et un bloc par devant, on va mettre de la diorite. De la diorite sur 9 blocs de longueur. Et donc tout ça, ça fait 9 blocs. Ici, 3 blocs d'ouverture. Et après, on met toute une ligne de diorite tout jusqu'à la terre. Là. Donc normalement, ça nous fait 3, 4, 5, 6 blocs jusqu'à la terre. Ici, une ligne tout voilà, jusqu'au bout, jusqu'au coin là. Et à partir de là, jusque là, on a donc 8 blocs. Donc 8 blocs à partir d'ici, youp, jusque là. Et puis après, on met une ligne de diorite sur toute la longueur là, comme ça, sur tout le côté de la terre qu'on avait laissée telle qu'elle. Hop. On va venir reprendre le mur qu'il y a ici, hein, d'accord. Youp. Et dans le prolongement, on va laisser 4 blocs d'espace à ce niveau-là. Et on va prolonger par 9 blocs de mur. Et normalement, vous devriez avoir rejoint le mur en diorite qui est au fond. Ok. Voilà, maintenant on monte tout ça jusqu'au plafond. Hop. Et voilà ce que ça donne. Ah, j'ai oublié. Hop, voilà. Voilà. Donc du coup, pour l'étage du dessus maintenant, on va faire un peu la même chose. Alors, j'ai une petite coquille à vous présenter. Ici, si vous vous rappelez bien, ce mur-là, on l'avait prolongé jusqu'à 2 blocs en plus de cette partie-là. En fait, je me suis trompé de mur, désolé. C'était ce mur d'à côté qui dépassait de 2 blocs. Ce mur-là en question, qu'on avait fait passer de 2 blocs, en fait, on va devoir le raccourcir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Ok. Vous le raccourcissez de 7 blocs. Donc, il y a 5 blocs de marche par rapport au bord du toit. Voilà, désolé, c'est une coquille. Et donc, le mur qui dépassait, lui, bel et bien de 2 blocs, il va venir
ici là, c'est-à-dire qu'on va venir prendre la longueur de la piscine, ici le mur en vert, dans le prolongement on va venir prendre ce repère là, on va venir mettre un bloc ici, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs sur la longueur, un trou de 2 blocs, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de la longueur, et normalement vous arrivez à 2 blocs par devant le deuxième étage. Ok, donc on va avoir au final des murs comme ça. Au final. Hop. Alors du coup je vais vous donner les dimensions pour tous les murs du coup de cet étage là. Hein. Donc on va reprendre notre mur qu'on avait ici. Hein. On va laisser 3 blocs de marge. Et on va venir prendre des ardoises, des abîmes carrelés pour faire du coup une ligne de blocs à ce niveau là. Donc sur 13 blocs de longueur. Ici là, 13 blocs de longueur. Après dans le prolongement, normalement vous avez juste un bloc de marge par rapport au mur qu'il y a ici. Ici donc on va laisser 4 blocs de marge, de trous. Hop, ici sur cette grande ligne ici d'ardoise, on va mettre 24 blocs d'ardoise. De là jusque là. Hop, ici on va compter 4 blocs de marge où on va rien mettre pour laisser une ouverture hein, tout simplement. Ici donc on va compter hop 22 blocs sur la longueur de là jusque là. Hop, ici 1 2 3 4 blocs de trous pour une fenêtre. De là hop jusque là on a 18 blocs. 18 blocs de longueur hein. Ok. Et ici, à partir du coin, on en a 3. Ici, 4 blocs de trous. 2 blocs. 4 blocs de trous. Et 3 blocs de mur. Ici, donc, 3 blocs comme ça, hein, en reprenant le coin. 4 blocs de trous. 2 blocs de mur. 4 blocs de trous. 3 blocs de mur. Alors, pour la diorite ici, donc dans le prolongement, on va laisser passer 1, 2, 3, 4 blocs de diorite sur ce côté-là, d'accord? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de diorite dans ce sens-là. De sorte que le mur, au total, il va faire 12 blocs de longueur, donc les 4 d'un côté, celui qui est dans le prolongement, et les 7 de l'autre. Ça fait 12, effectivement. Ici dans le prolongement du coup on en met 1, 2, 3, 4 blocs d'ardoise dans ce sens là, d'ardoise carrelée. 3 blocs de trous, 6 blocs d'ardoise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs de trous. Hop, ici 10 blocs d'ardoise, ici à partir de ce bloc là on va mettre une ligne de diorite sur 12 blocs de longueur hein. 12 blocs ici, ici un trou de 4 blocs et un mur de diorite de 12 blocs, d'accord, 12 blocs ce mur là, et normalement vous avez 4 blocs de marge par rapport au mur. Youp, ici on va venir prendre ce coin là hein. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs ici pour mettre 3 blocs d'ardoise. Et normalement, vous êtes aligné avec les autres ardoises qu'on avait mis tout à l'heure. Ok, donc il nous reste juste à ce niveau-là. Ok, donc on va prendre le coin ici comme repère. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs. Et ici, sur le côté, on va mettre 4 blocs comme ça de quartz. Ok, on va laisser 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et on va mettre 4 blocs de quartz à nouveau. Ces blocs de quartz là vont servir de piliers, d'accord, on va faire des piliers avec pour soutenir l'étage du dessus hein. Et évidemment ces piliers là bah, on va les prolonger hop, sous le sol, enfin sous l'étage du dessous en tout cas, voilà. Ici on peut mettre de la diorite. Ok, et là pareil, sur tout ce mur là on peut mettre de la diorite, hein, on va pas s'embêter. Tiens, hop, hop, voilà. Et de la diorite partout ici. Hop.
Voilà. Donc comme ça, c'est bon. Alors, sur ces piliers-là, du coup, on va mettre des dalles en pierre noire ainsi que des escaliers en pierre noire. Escalier en pierre noire, en roche noire, en pierre noire, voilà. Des escaliers en pierre noire, on va les mettre sur les côtés comme ça. Et on va en faire comme ça sur trois blocs de, sur deux blocs de hauteur. Ok, comme ça. Et après, on va utiliser les dalles pour faire ça. Ok. Et après, on va laisser un bloc ici. Et des escaliers comme ça. Hop, ok. Voilà, histoire d'avoir une petite décoration. Bref, du coup, au niveau des murs qu'on a mis ici, tout au niveau du sol, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les monter jusqu'au plafond, hein, du coup, jusqu'à l'étage du dessus. Hop. Voilà. Alors, il y aura juste un truc à voir ici. Alors, du coup, vous voyez le mur qu'on avait mis à ce niveau-là sur l'étage du dessous. En fait, l'idée, c'est qu'on va venir le prolonger au-dessus de la partie... hop, ici. Et donc, on va mettre... Hop, voilà, ça, j'avais pas montré, mais on va mettre une ligne de blocs de quartz ici, comme ça, sur toute la longueur. D'accord? Cette partie-là. Et juste derrière, on va mettre de la diorite. On va laisser deux blocs de marge ici, et on va mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de diorite sur la ligne. Et on va doubler la hauteur, ici, comme ça. Ok? Ça servira plus tard, en fait, pour faire une rambarde pour notre jacuzzi. Alors, une fois qu'on a ça, c'est que j'ai envie de faire un truc tout de suite déjà. C'est qu'on va venir sur le toit et on va venir mettre un bloc de quartz, comme ça, une ligne de blocs de quartz, comme ça, sur la longueur. Hop. Hop, voilà. Et on va venir utiliser des dalles de quartz maintenant, des dalles de quartz lisses tant qu'à faire, hein, si je les trouve, hein, parce que ça aussi, c'est une histoire. Dalle de quartz, liste, ok, voilà. Eh bien, on va utiliser le dalle de quartz comme ça, sur 5 blocs de longueur, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et ce, sur toute la longueur, évidemment. Hop. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, je vais vous montrer pour les murs du troisième étage. Hein. Hop. Et du coup, alors, on va venir... prendre un repère, on va venir prendre le repère ici, d'accord, on va venir sur le coin du bâtiment à ce niveau là, ok, et on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs, et on va mettre 3 blocs d'ardoise carrelée ici comme ça, on va laisser 4 blocs d'ouverture, on va compter 3, 4, 5, 6, 7 blocs d'ardoise, d'accord, 4 blocs d'ouverture, 3, 4, 5, 6, 7 blocs d'ardoise après, re 4 blocs d'ouverture, puis après dans ce sens là on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs d'ardoise, ici 4 blocs d'ouverture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs d'ardoise, hein, je vérifie mais normalement c'est ça, voilà 9 blocs d'ardoise, et après là sur le côté on va en rajouter 8 dans ce sens là, donc il y a de là au coin on en a 9 et puis deux coins jusque là on en a 9 aussi. Ici on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs d'ouverture. Ici on est à 6 blocs d'ardoise carrelée. Et après normalement ici on a une ouverture tout jusqu'au mur donc on en a 3, 4, 5, 6 aussi. Si on est bon. Ok, on va venir reprendre notre mur à ce niveau là, on va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, et à partir du 6ème bloc on met de la diorite, que l'on va prolonger dans ce sens là, jusqu'à 25 blocs de longueur, et normalement vous êtes aligné avec le bout de cette ardoise ici aussi, ok, avec 4 blocs d'écart avec ce mur là. Très bien, alors de l'autre côté, tout là-bas au fond, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un autre mur, donc on va venir à partir du coin ici compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs, et à partir de là jusque là on va mettre, attendez, j'ai mal calculé, voilà 13 blocs de longueur sur cette partie là,
Donc on a un bloc de marge par rapport au bord ici et 4 blocs par rapport au bord à ce niveau là. Et donc normalement voilà 4 ici aussi. Ok, une fois qu'on a posé nos murs ici comme ça, bah maintenant il va falloir les construire et les monter jusqu'au plafond. Allez, let's go. Hop. Alors, voilà, donc les murs sont plutôt bien faits maintenant. On commence à vraiment voir la maison comme elle... Enfin, on voit que ça avance. Donc du coup, le seul truc qu'il va falloir penser à faire, c'est vraiment à ce niveau-là, ici, sur cette ouverture-là, d'accord ? Ici, vous avez une ouverture, en fait, à cause des toits qui n'ont pas la même, qui n'ont pas la même hauteur. Donc du coup, on va mettre deux blocs de d'ardoise carrelée quand même en plus, histoire de boucher les trous. Voilà. Et donc on est pas mal. Maintenant ce qu'on peut faire par exemple, c'est les escaliers. Ce sont les escaliers, pardon. Notamment avec des dalles de quartz lisse ici comme ça sur cette longueur là. Donc sur 6 blocs de large. Hein. Un escalier de 6 mètres de large, c'est quand même sympathique. Et on va utiliser de l'andésite poly pour faire les supports de l'escalier par derrière. Alors on va le faire comme ça il me semble. Hop. Et on va venir placer les dalles comme ça de quartz, de sorte que ce soit vraiment le coin de l'andésite en dessous qui supporte la dalle du dessus. Ok, ça c'est juste au niveau des coins que ça colle. Et l'andésite ici, on va venir en faire un support qui va avoir cette taille, cette tronche là, c'est-à-dire on va le mettre en plein milieu de notre taille. Il n'est pas tout à fait en plein milieu d'ailleurs. On va mettre hop, voilà, une andésite comme ça en plein milieu de notre escalier, c'est-à-dire voilà par derrière les marches de l'escalier. On va venir faire quelque chose comme ça, donc sur 4 blocs de large, hein, avec une descente en escalier comme ça, pareil, en diagonale plutôt, je devrais dire. Et on va mettre les dalles de quartz comme ça. Hop. 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 Et hop. Et voilà ce que ça donne. Sympa, hein? Et l'idée, c'est qu'on va faire exactement le même escalier sur les autres étages. Donc, c'est-à-dire... Ah bah tiens, j'ai oublié les murs qu'il y a ici. Bon, je fais les escaliers, je vous montre les murs après. Hop. Hop, donc ici, là, sur toute la longueur, on va mettre un autre escalier, hein, donc avec l'andésite poly, pareil, par derrière, à ce niveau-là. Hop, comme ça. Ok. Et pareil, vous voyez, hein, on ne tient l'escalier que par la diagonale. Hop, comme ça, hein. Voilà un peu ce que ça donne. Bref, et on va faire le même escalier du coup encore à ce niveau-là ici pour descendre à l'étage du dessous en fait. En réalité, c'est pas vraiment 3 étages. Ici, normalement, c'est l'étage principal. Là, normalement, ça devrait être techniquement un sous-sol et l'étage, le premier étage finalement. Mais bon, je les appelle le premier, deuxième et troisième, c'est plus simple, je trouve. Hop, ici, on remet un escalier de 6 blocs de large. Et pareil, hein, le même escalier, etc., etc. Hop. Ok, alors juste sur cet escalier là, en réalité, je viens de m'apercevoir que ça fait, on avait mis 7 blocs de long au lieu de 6, et ici ça sera la rambarde sur le côté en fait. Donc voilà, c'est bien 6 blocs de large hein, pour tous les escaliers. Alors maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir mettre les murs qu'on avait ici, c'est-à-dire que, hop, on va venir prendre le coin à ce niveau là. On va venir compter 1, 2, 3, 4 blocs ici comme ça, et juste à côté... On va mettre une ligne de diorite sur 10 blocs de large. Et normalement, vous avez 3 blocs ici d'ouverture. Hop, comme ça, de chaque côté de votre mur. Ok, on va de l'autre côté du mur ici. On va prendre ce coin-là et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et à partir du 5e bloc, on met des ardoises sur 5 blocs de large ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 en longueur. Ici, pareil, 5 blocs d'ouverture et 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs jusqu'au mur.
Et voilà, tous ces murs-là, on les monte jusqu'au plafond, hein, comme d'habitude. Hop. Ok. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, déjà, c'est de mettre les vitres. C'est-à-dire, au-dessus des ouvertures, ici, par exemple, ce sera une ouverture. Donc, on peut mettre deux blocs de vitres au niveau du dessus, hein, vous voyez. Hop, pareil, ici, de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ici... Alors, et à ce niveau-là, il y aura une terrasse, donc on va juste mettre des vitres sur le dessus aussi, peut-être sur le côté un peu, pourquoi pas. Ok. Alors, les vitres, à ce niveau-là, on va complètement, hop, remplir complètement cette zone-là, hein, de vitres. Je le fais pas, mais vous avez l'idée. Hop, ici, alors, à ce niveau-là, ça sera une grande ouverture, donc du coup, on va mettre juste 1, 2, 3 blocs sur le côté. Voire 4 blocs sur le côté et on fera surtout de la hauteur. Et sur la hauteur, après, on mettra sur... Hop. 2 blocs. 2 blocs. Ouais, 2 blocs de remplissage sur la longueur à partir du haut. Sinon, à partir du bas, c'est 4 blocs jusque-là. D'accord ? Hop. Ici, c'est bon. Alors oui, ça on fera en dernier. Alors à ce niveau-là, ce sont des ouvertures, donc on va laisser, hop. Alors j'arrive pas à atteindre le dessus, j'ai plus de potions. Hop, attendez. Vision nocturne. Vision nocturne. Hop. Donc ici on va mettre, paf, paf, des vitres sur combien? Sur 3 blocs, pourquoi pas? 3 blocs de haut. Ça me semble bien. Hop, ici, pareil, sur 3 blocs aussi. Hein, de... Hop, 3 blocs à partir du plafond, je devrais dire. Hop, pour être plus clair. Voilà. Alors, ici. Alors, là, ça va être un peu particulier, vu que l'entièreté des murs vont être en vitre. En vitre noire. À ce niveau-là, on va prendre des vitres noires. Du coup, on va venir... prendre ce mur là et on va faire une vitre qui va faire sur toute la longueur et qui va prendre toute la hauteur du mur, hein. On va vraiment remplir complètement ce mur là de vitres. Alors de l'autre côté par contre, on va prendre notre bord de mur ici, on va compter un bloc par derrière et on va faire une ligne de vitre à ce niveau là sauf qu'on va laisser des ouvertures pour entrer sur la terrasse. Donc en fait on va mettre 8 blocs je crois de vitres jusqu'ici, 9 blocs pardon, 9 blocs de vitres ici. On va laisser une ouverture de 2 blocs comme ça. Ici on va remettre une ligne de vitres de 31 blocs. On va relaisser 2 blocs d'ouverture et normalement vous avez 7 blocs de vitres pour rejoindre le mur. Ok, une fois qu'on a ça, en fait on va directement mettre les vitres jusqu'au plafond. Hop. Alors une fois qu'on a mis nos murs de vitres, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut faire un truc hyper stylé que moi j'aime beaucoup, c'est de mettre des charpentes en pierre, donc à partir de murets. L'idée, c'est qu'on va mettre un muret, donc on va prendre ce côté-là par exemple, hein. On va laisser un bloc ici, on va mettre un muret en durite par exemple, à ce niveau-là. On va laisser 2, 3, 4, 5 blocs de marge et on va mettre un muret ici. Hop, 1, 2, 3, 4, un autre muret ici, hein, autour de la porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au 9e bloc, un autre muret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un muret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un muret. 1, 2, 3, 4, 5, un muret. 1, 2, 3, 4, 5 blocs jusqu'au mur. Normalement, voilà, vous avez tous les murets qu'on peut poser ici. On mettra exactement la même chose de l'autre côté, bien sûr. Ces murets là, du coup, l'idée c'est que l'on va mettre jusqu'au plafond pour pouvoir donner des piliers en fait. Hop, voilà. Et avec ces piliers, on va pouvoir les relier entre eux avec des murets toujours. Hein. Donc ces piliers là, on va les relier comme ça. Du coup, à un bloc en dessous du niveau du plafond. Enfin, deux blocs plus exactement. Hop. Et on va les relier comme ça de sorte à donner une charpente à la maison pour éviter de faire croire quand même que le mur est soutenu uniquement, enfin que le toit est uniquement soutenu par des vitres, ça ferait un peu bizarre. Et donc cette charpente là fait en muret, moi je la trouve très très sympa, ça donne vraiment un côté très moderne pour le coup à la maison.
Bon, elle était déjà dans un style assez moderne, on va pas se mentir, mais... bon, bref, on va faire la même chose de l'autre côté, à la différence, évidemment, que ici on a laissé une ouverture pour les portes, et que à ce niveau-là, en face, ben, on va mettre des murets vraiment tout du long de la maison, en plus des piliers, bien sûr, hein. Hop, voilà. Hop. Et vous voyez ce que ça donne, hein, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, c'est vraiment une petite astuce que j'aime vraiment beaucoup, pour le coup. Alors, on va continuer à mettre des vitres au niveau de l'étage du dessous. Donc ici, par exemple, on va mettre des vitres voilà, sur 5, 6, 7, 8 blocs de long. Ici, à partir du côté, on va mettre un ou deux blocs ici sur le côté à ce niveau-là. Il faudra mettre évidemment les murs, les vitres jusqu'au plafond. À ce niveau-là, ça va être une entrée, une ouverture. Donc du coup, on va mettre juste deux vitres au-dessus comme ça. Ici, c'est une fenêtre, donc voilà, des vitres sur tout le long. Alors, ici, donc, on a, c'est une ouverture. Hop, donc on va mettre juste deux lignes de vitres au-dessus, comme ça. Ouais. Ici, pareil, c'est une autre ouverture, donc on va faire juste deux lignes de vitres. Hop, je mets juste un petit coup de lumière, c'est vrai qu'on y voit mieux. Hop, ici, donc... À ce niveau-là, ça va être une fenêtre, donc on remplit complètement. Hop, voilà hein, la fenêtre. On remplit complètement. Hop, ici, pareil, fenêtre, on la remplit. Hop, complètement. Etc, etc. Ici, ça va être une ouverture, donc du coup, ou qui dit ouverture, dit juste... Hop, voilà, ligne de bloc au niveau du dessus. Ici, ça va être une fenêtre complète, donc... etc. Faudra remplir à chaque fois, bien sûr. Hein. Ici, c'est une ouverture. Donc, du coup, on va faire juste voilà deux lignes, paf, comme ça. Alors, boing. Ici, c'est une fenêtre. Donc, voilà. Ok. Ici, c'est la grande ouverture du milieu de la grande pièce du salon. Hein. Donc, on va laisser juste deux blocs de vitres comme ça sur les côtés. Hop, on va faire une ligne... Enfin, on va faire deux lignes de vitres au niveau du dessus. Hop, comme ça. Une deuxième couche, et puis c'est bon. Ici, alors on va faire une ouverture, mais ça sera un bar qui va donner directement sur la piscine. Donc du coup, on va laisser vraiment une très 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 large ouverture. Donc on va juste faire quatre blocs comme ça, hop, sur le côté. Ou un peu plus, un peu moins si on veut. Hein. L'idée c'est que... Bref, et pareil, 2-3 blocs. Sur le côté comme ça, hein, jusqu'au plafond aussi. Et puis, est-ce qu'on est bon pour sur cet étage? Je pense que oui. Il faudra rajouter, évidemment, ici, au niveau de la terrasse, une... comment on appelle ça? Bah, des vitres de barrières, voilà, pour faire des barrières. Hop, jusque... Ici, on arrive jusqu'ici et on arrête à ce niveau-là, je crois. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on arrête. Parce qu'à ce niveau-là, on va mettre de la végétation, tout simplement. Des feuilles, des herbes, ce genre de trucs, pour donner un petit peu de couleur. D'ailleurs, pour les étages du dessus, ici, on va mettre pareil des vitres jusque, je vais vous montrer jusqu'où. Hop, voilà, donc, hop, jusqu'ici, là, vous voyez le poteau à ce niveau-là, on laisse à partir de là, comme ça, on est plutôt bien, de l'autre côté de la maison, à ce niveau-là, donc, on va laisser quelques blocs, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de marge, et à partir du 9e bloc, on va mettre une ligne de vitre sur le côté pour faire la barrière. Ok, ici sur le côté pareil, une ligne de vitre sur tout le côté, hop. Jusque là, d'accord, et c'est pour ça en fait qu'on avait laissé un bloc à ce niveau là de marge, hein, pour pouvoir laisser la barrière. Ici pareil sur le côté de notre escalier, hop, jusque là, alors ouais. On va
Non, c'est bon. Donc, on va à l'étage du dessous. Ici, on n'en mettra pas. L'étage du dessous, on va mettre une barrière. Ici, évidemment, pour ceux qui ont envie de laisser un espace pour pouvoir aller sur ce côté-là, dans vos parties, évidemment, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Ici, on va mettre une barrière jusqu'au mur. Hop, voilà. Et puis, ben, alors, à ce niveau-là, là, donc, entre tous les piliers en noir et jusqu'au mur, on mettra des vitres, hein, donc ça sera complètement rempli de vitres. Ici, voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, on remplit tout ça de vitres. À ce niveau-là, à l'intérieur de la maison, ben, on va rien mettre de particulier. Si, peut-être, voilà, entre les ouvertures. Voilà. Ici, du coup, on va mettre un trou dans le mur, comme ça. Et on va mettre une vitre à l'intérieur, une fenêtre, hein, tout simplement. Hop, voilà. Alors, ici, on va continuer, on va mettre trois blocs de vitres, comme ça, sur les côtés. Hop. Et pareil ici, genre quelque chose comme ça, par exemple. Alors, ici, pareil, on va mettre deux blocs, comme ça. Alors, à ce niveau-là, on mettra aussi d'autres vitres. On peut les mettre tout de suite directement. Donc, ce sont des blocs de verre blanc, par contre, qu'on va mettre. Vous allez comprendre. Alors, les blocs de verre, si tant est que je les... Voilà. Blocs de verre blanc. Donc, du coup, on va laisser 1, 2, 3. Et à partir du quatrième bloc, ici. Ou troisième bloc. Troisième bloc. On va laisser, comme ça, deux blocs d'ouverture, ici. Et on va complètement remplir ici. En fait, voilà, pour ceux qui ont vu déjà la vidéo de visite, ils savent de quoi je veux parler. C'est la cave à vin, en fait, qu'on va laisser derrière. Là, les portes. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, les dernières barrière qu'on va laisser, c'est à partir d'ici. Alors, je sais plus exactement à quelle longueur on va laisser à ce niveau là mais il y aura un pot de fleurs géant à ce niveau là donc on va mettre des barrières ici sur deux blocs de hauteur, un peu, hop. Et ici sur le côté, on va prolonger sur la partie en dalle en pierre. Et pareil, à l'arrière ici, on mettra un pot de fleurs géant. Donc, on va laisser ça comme ça. Pour l'instant. Alors, bon, elle commence à avoir une bonne tronche, notre maison. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est les espèces de préaux en trappe. Donc, on va utiliser des trappes en chêne. Et on va venir, ici, sur le mur qu'on a à ce niveau-là, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs de trappe en chaîne ici sur le mur, et 34 blocs de trappe en chaîne ici sur la longueur. C'est assez grand, hein. Et donc, après, on rejoint le mur, et donc, sur toute cette zone-là, on va la remettre en trappe en chaîne, donc de 5 blocs sur 34. Hein. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à, hop, mettre à remplir la zone. Yep. Voilà. Donc ça nous fait une jolie zone comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté, mais avec des trappes en chaîne noire ce coup-ci, que l'on va mettre ici. Donc on va venir prendre le bout ici de notre mur, de notre toit. On va compter un bloc sur le côté. On va mettre 4 blocs de trappes en chaîne noire. Et on va mettre 15 blocs en longueur de trappes en chaîne noire. De sorte qu'on aura juste un bloc de marge de ce côté-là, un bloc de marge de l'autre côté. Et puis voilà, une fois qu'on a ça, on remplit la zone, hop, avant de passer au pot de fleurs géant. Paf, 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 voilà. C'est quand même plus sympathique. Les pots de fleurs géants, du coup, alors, on va les faire dans l'ordre. J'en ai fait une petite partie ici pour vous montrer. L'idée, c'est qu'on va venir mettre des graviers, du gravier qui va flotter dans les airs. Et comme le gravier, normalement, ça tombe par terre, bah, c'est plutôt cool. L'idée, c'est de mettre des ficelles, donc des choses qui se voient très très peu, en dessous le gravier pour le maintenir dans les airs. Du coup, c'est cool.
Hop, vous voyez l'histoire. Donc l'idée c'est qu'on va venir... alors attendez, je vais vous donner la dimension exacte. Hop, voilà. Sur 23 blocs par devant notre terrasse à ce niveau-là, donc à partir de là jusqu'à là, ça fait 23 blocs. Et 3 blocs de large ici pour nos graviers, hein, tout simplement. Voilà, donc l'idée, on va venir prolonger ici. On va prendre des ficelles et on va venir, hop, mettre ça comme ça. Jusqu'à un bloc par devant, vous voyez ici l'étage. Paf, paf, comme ça. Et on va mettre 3... On va mettre 3 rangs de ficelles. J'ai un peu perdu. Voilà, alors du coup, les ficelles, ça se voit pas. Du coup, c'est un peu la galère pour les mettre, c'est sûr. Hop, voilà. Donc normalement c'est bon, on peut mettre le gravier par-dessus. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir utiliser des feuilles ainsi que des dalles en roche lisse. Hop. Et voilà, donc les dalles en roche lisse, on va les mettre comme ça, donc sur le bord de nos graviers, hein. Hop, pour faire le tour rapidement. Et au milieu de ces dalles en roche lisse, on mettra tout simplement des feuilles de chêne ou des feuilles d'un autre type d'arbre si vous voulez. Hop. Et voilà, ça nous donne un petit peu de couleur sur la maison, ce qui est plutôt sympa. On va mettre plusieurs fois ces espèces de grands pots de fleurs là qui volent dans les airs alors que c'est du gravier. Moi j'aime bien ce genre de truc. Ici là par exemple, on va mettre du coup dans le coin entre l'escalier, le mur et la barrière à ce niveau-là. Sur 3 blocs de large, des graviers, donc une ligne de gravier qui va venir se reposer sur la partie en quartz qu'on avait laissée. Et donc deux lignes de gravier qui vont voler dans le vide avec des ficelles en dessous. Hop, on va la mettre sur 10 blocs de longueur, d'accord, 10 blocs de long. Et une fois qu'on a ça, on va venir doubler la hauteur des graviers. On va venir utiliser de la lanterne aquatique ou en réalité n'importe quel bloc qui fait de la lumière. On peut même utiliser des lanternes ou des torches tout simplement pour ceux qui veulent. Moi voilà, je mets quelques lanternes parce que je suis en créatif et que bah, je fais ce que je veux. Et puis voilà. Vous voyez, de loin on voit pas les ficelles et du coup on a l'impression que le gravier flotte dans les airs. Ce qui est plutôt sympa. Alors, ici pareil, on va mettre sur toute la longueur là un grand pot de fleurs. On va venir mettre une ficelle ici, juste à côté de notre machin, paf, ici comme ça, hein, jusque là, hop, du gravier, voilà, forcément, hop, hop, comme ça, voilà, et on va le faire dépasser de 2 blocs sur ce côté-là de la terrasse, d'accord, on va le mettre comme ça sur 3 blocs de large. Alors pour celui-ci je vais laisser juste un trou en plein milieu pour pouvoir mettre les lanternes aussi pareil, hein, histoire de donner un peu d'éclairage à la maison, en tout cas à la terrasse. Hop, 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 hop. Et une fois qu'on a ça, bien sûr on va utiliser les dalles de roche lisse si j'en les retrouve encore une fois. Voilà les dalles de roche lisse et on va complètement entourer nos graviers. Hop. Est-ce que j'avais mis les dalles de rochelis sur l'autre là? Et non, j'avais complètement oublié. Mettre des dalles qui entourent. Voilà. Les feuilles. Comme ça, on voit encore moins les lumières à l'intérieur. Ça fait quelque chose d'encore plus propre. Alors. On va ici maintenant, donc sur le bord de notre terrasse en dalle, et on va venir mettre du gravier, hop, ici sur 3 blocs. Donc on peut enlever les 3 derniers blocs, 3 dernières lignes de dalle, hein, ici comme ça, et on peut mettre du gravier
Voilà. Hop, comme ça. On va mettre, voilà, quelques lanternes aquatiques. On va remettre du gravier autour. Hop. Et on va mettre une ligne de feuilles avec une ligne de dalles. Voilà. Et puis ben voilà, donc il nous en reste encore une à faire, mais c'est la plus technique en réalité de toutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait des dalles. On va venir prendre des dalles de roche lisse, on va en mettre à partir de là comme ça, d'accord? Et on va venir les mettre sur toute la longueur du plafond. Hop, et l'idée c'est qu'on va utiliser ça pour faire une barrière pour la terrasse du dessus. Vous allez comprendre. Hop, jusque là peut-être. Ouais, on va dire jusque là. On va prendre des ficelles. On va venir sur le bord de nos dalles. Ici comme ça, d'accord? Et on va mettre... Ouais. Attends, on y est là. Des ficelles sur deux rangs de ficelles en fait. Vous voyez, là on a mis une première ligne de ficelles. On va en mettre une deuxième à côté. Hop, voilà. Une fois qu'on a mis nos dalles et nos ficelles, on va prendre nos graviers et on va venir faire une ligne comme ça de 3 blocs. De gravier. Comme ça. Ok, comme ça on a vraiment une partie du gravier qui flotte dans les airs, en tout cas visuellement. Et bah du coup là sur le dessus on fait comme d'habitude, hein, on met des feuilles. Avec des dadales qui en fait le tour. Hop. C'est-il pas joli ça, ma foi? Eh bien si, moi je trouve. Alors, du coup, maintenant, on va faire la piscine. Tiens, tant qu'à faire, la piscine. Alors, la piscine, on va utiliser des escaliers en briques, en stone brick. En stone brick, je ne connais pas le nom en français d'ailleurs. En escalier en pierre taillée d'ailleurs. Ok, on va venir les mettre comme ça. Donc face à la terrasse. Oui, c'est ça. Dans ce sens-là. Ok, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire... Alors, c'est vraiment un mini détail. Mais le diable se cache dans les détails, comme vous le savez. On va prendre des escaliers en quartz lisse. Et on va venir enlever cette ligne-là de quartz, ok, jusqu'ici, jusqu'en dessous de ce mur-là. Et on va le remplacer par des escaliers à l'envers de quartz lisse. Pourquoi? Parce que comme ça, même si c'est sous l'eau, ça sera sous l'eau tout ça, hein, eh bien on verra une petite ligne de démarcation entre le béton bleu et le quartz. Et du coup, ça enlève un petit peu de connexion de texture. Et on le verra très très peu, mais voilà, c'est un détail qui rend la chose particulièrement sympathique. On va continuer avec nos blocs d'escalier comme ça. Cette ligne là de quartz, on l'enlève et jusque là, jusqu'à la vitre, et on va venir mettre une ligne d'escalier comme ça. Ok, d'accord. Maintenant, on va prendre les lanternes aquatiques et on va venir mettre de l'éclairage dans la piscine. Donc, on va venir mettre voilà, de l'éclairage tous les 4 blocs, par exemple. 3, 4, paf, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 bloc, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, paf. 1, 2, 3, 4, paf. 1, 2, 3, 4, pile poil au milieu, nickel. Paf, 1, 2, 3, 4, paf. 1, 2, 3, 3, 4, paf. 1, 2, 3, 4, paf. 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, en dessous la vitre. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Et en plein milieu, en face de l'autre. Youp, voilà. Ok,
Et bien donc on est bon pour mettre de l'eau maintenant du coup dans notre piscine. Ce qui est pas mal. Allez hop, on met ça. Et voilà. Ah ben non, du coup j'ai encore une couche à mettre. Ah, l'andouille. Ah oui, alors là du coup, oui voilà, il faut éviter de mettre de cliquer avec les seaux d'eau sur les escaliers, puisque sinon ça met de l'eau partout. Donc plutôt dans ce sens là. Ouais, ici c'est possible. Hop, voilà. Très bien. Alors une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre quelques petites. On va pouvoir passer aux finitions finalement. On va mettre la barrière aussi juste après. Alors, par exemple, ici, là, vous voyez, donc dans ce coin-là, on va venir à ce niveau-là, et sur la longueur du pilier sur le côté, on va venir enlever toute cette partie-là du quartz. Hop, voilà, on y voit mieux. On va enlever, voilà, la partie en dessous de quartz aussi pour mettre la diorite. Et ici, du coup, on va pouvoir mettre un petit peu d'eau, par exemple. Voilà, sur la longueur. Ici. Et avec tout ça, en fait, on va pouvoir mettre de la végétation. On va pouvoir utiliser des feuilles, on va pouvoir, que j'ai déjà, d'ailleurs. On va pouvoir utiliser des rosiers, des cannes à sucre, par exemple. Des cannes à sucre. Des bambous. D'ailleurs, faudrait que je fasse une maison sur le thème du bambou parce que j'ai très envie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça pourrait être intéressant. Thème du bambou, de la baie. Il y a des baies lumineuses aussi, ça c'est super chouette. Hop. Alors, les baies lumineuses, on peut les faire pendre du plafond. Hop. Pas trop non plus parce que voilà. Hop. Du bambou, on peut en mettre 2-3. Histoire de faire doublon avec les cannes à sucre. Puis le reste, on met quelques fleurs. L'idée, évidemment, ce serait d'avoir de la terre verte, de l'herbe. Là, j'avais mis, en fait, à la base de la terre stérile pour pouvoir avoir quelque chose de propre à montrer pour le tuto. Donc là, j'aurais pas de terre verte, enfin de bloc d'herbe. Mais bon, on peut prendre de la poudre d'os pour faire hop des baies lumineuses en cliquant sur les baies lumineuses. Et puis on peut voilà ah bah oui non c'est de la terre stérile donc forcément ça va pas pousser. Hop. Hop. Enfin bref, vous pouvez faire tout un tas de petits water features. On peut utiliser des lianes aussi. Hop. Pour embellir un petit peu le mur par derrière. On peut mettre du lichen, à chaque fois. On me reprend dans les commentaires. Du lichen lumineux également. Hein. Un peu partout sur le mur et ça fait le café. Faut laisser pousser après et tout évidemment. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je vais rajouter une barrière. Ah ben oui là du coup. Barrière ici déjà. Et puis il y a aussi autre chose. À ce niveau là vous voyez du coup là où on a mis le gravier. On voit qu'il y a une connexion de texture entre le quartz et le gravier. Du coup c'est pas super, super joli. On va pouvoir mettre une ligne comme ça de deux ligne de dalles en pierre lisse, en roche lisse sur le plafond, comme ça, pour séparer vraiment hop, le gravier du quartz visuellement et aller jusque là. Ok, on va pas jusque là parce que du coup là on a une connexion de texture entre la roche lisse et le quartz, donc c'est pas terrible. On peut en laisser ça comme ça. Alors du coup, on en a une ici avec le gravier et le quartz, mais c'est moins visible, donc il y a plus de contraste et tout ça, ça passe mieux.
Du coup, maintenant, je pense qu'on est allé assez loin pour pouvoir faire comment on appelle ça? La barrière. Ouais, la barrière. Donc, du coup, j'ai pris quelques repères. Hop, on va faire une barrière de 3 blocs de large. D'accord? Hop, comme ça. Alors, on va venir reprendre les blocs de quartz lisse. Et on va faire une barrière comme ça de 3 blocs de large. Voilà, comme ça par exemple. Et donc on va l'espacer de notre pilier ici de 13 blocs. Vous voyez, vous prenez le pilier là, 13 blocs, et on met après notre barrière en quartz sur 3 blocs de large. Hop, hop, hop. Après on va dans ce sens là, pareil sur 3 blocs de large encore une fois, hein, bien sûr. Hop. Alors, du coup, j'ai creusé un peu sur la longueur et on peut arriver. Alors là, ça va évidemment dépendre de votre propre terrain. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, hein, l'idée c'était d'avoir une zone de 130 blocs de longueur sur laquelle on avait une falaise comme ça, en diagonale. Mais l'idée c'est que autour, ben, ça dépend de ce que vous avez. Là, moi ici, personnellement, j'ai une falaise encore plus abrupte de l'autre côté. C'est pas du tout un problème. Ce qu'on peut faire, c'est que on va prolonger comme ça notre barrière. Voilà, moi je vais faire ça ici comme ça. Hop. Et on peut la prolonger après en profondeur. C'est pas du tout un souci. Hop. Alors on va venir comme ça. Hop. Hop. Yep. Je vais vous donner les dimensions, hein, et tout pour la faire, vous inquiétez pas, après la barrière. Hop. Voilà, moi je peux faire la barrière ici comme ça, par exemple. Hein. Et l'idée, c'est que on va tout simplement faire prolonger la barrière tout jusqu'au sol, tout jusqu'à ce que ça ne se voit plus, tout simplement. Hop. Hop, comme ça. Et pareil, hein, tous les blocs ici... Hop, qui sont visibles. On va les remplacer par des blocs de quartz. Et on va monter. Hop, voilà le mur. Enfin, en tout cas, là, c'est une barrière, mais bon, ça, là, ici, c'est un mur. Jusqu'à niveau. Vous voyez, pour pouvoir avoir notre terrain plat, finalement, autour de la maison. Pour les dimensions. Hop. À partir de cette limite là, on a 8 blocs sur le côté à ce niveau là, et à partir de là jusque là on en a 11, ce qui fait qu'à partir d'ici là, hop, jusqu'ici on en a 8, et après du coup les 3 blocs de barrière. Hop, ok, donc l'idée pareil, on fait un mur tout du long ici, et ça c'est pratique parce que cette technique là permet d'avoir un terrain plat, quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes. Si jamais vous avez une montagne qui part comme ça, ou comme moi, une falaise qui part en descendant, ben ce genre de choses, ça marche. Donc on peut aller faire prolonger devant la falaise ici, donc de 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 blocs de longueur, c'est bien. Voilà, hop, hop. Ah, voilà par exemple. Et puis ben hop. Hop. Alors on voit les anciennes traces de mon ancienne barrière. Allez hop, on enlève tout ça. Alors l'idée évidemment c'est qu'il va falloir enlever ces parties-là de terre, hein, parce qu'on pourrait tout simplement mettre la barrière comme ça. Hop. Et s'arrêter ici, vous voyez. Sauf que du coup, ça fait mieux, je trouve, si on enlève la terre qui est en dessous, pour faire ça comme ça, ça donne l'impression que la barrière s'enfonce vraiment plus profondément dans le sol, vous voyez. Donc, vaut mieux enlever ce genre de choses là aussi. Hop. Vous voyez. Bref, et on recouvre du coup toute cette partie-là avec du quartz. Hop. Voilà, j'en ai profité pour faire aussi toute cette ligne-là. Alors, sur la ligne ici, vous remarquez que j'ai laissé une ouverture. En fait, l'idée, c'est que cette partie-là de la maison sera le garage, tout simplement. Comme ceux qui ont vu la visite, hein, le savent.
Oui, alors du coup, c'est vrai que y a une vidéo de visite où j'ai montré tout l'aménagement d'intérieur et tout ça, et notamment voilà le garage, le jardin et tout et tout. Pour ceux qui ont envie d'aménager leur maison vraiment de manière sympa, cool et classe, hein, évidemment, bah, n'hésitez pas à aller voir la visite qui va faire un peu office de tuto d'aménagement. Voilà. Donc du coup, ici, on a l'entrée du garage. Donc l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les dalles de roche lisse. On peut aussi utiliser les pierres de roche lisse, hein, ça change pas grand chose. Et on va venir faire une route de 5 blocs de large en face de notre garage. L'idée, c'est de faire une ouverture ici, entre ici et là, de 7 blocs de large, d'accord, et se centrer en plein milieu du garage en face ici de la route. Ok, donc on va faire une ouverture comme ça. Et toute cette zone-là, on va la remplir en dalles de roche lisse. Hop, voilà. Et l'idée, bien sûr, c'est que bah, voilà, si vous êtes sur un serveur ou autre, bah, de rejoindre après cette route-là avec la vraie route du réseau routier de votre ville, évidemment. Alors, je ne sais plus si j'ai donné les dimensions pour ce côté-là. Donc normalement c'est bon au niveau de la barrière. On va prendre maintenant pour la barrière des murets de pierre noire, en murets en pierre noire, ainsi que des vitres blanches. Ok? Et l'idée, c'est que l'on va faire une barrière très très fine en plein milieu ici, vous voyez, de notre barrière en blanc. On va faire des murets comme ça, des murs de 3 blocs de hauteur, soit en murets, soit en vitres blanches, qu'on va alterner un coup sur deux, qui vont faire chacune 3 blocs de large, sur 3 blocs de hauteur. Ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on rajoute un bloc. Voilà. Et l'idée, pareil, on rajoute de la vitre blanche. Ah, j'ai mis que... Bon, enfin bref. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, comme ça, en alternant les vitres et les murets. Et vous voyez, ça nous donne une barrière très, très fine, en fait. Et ça, c'est très, très, très sympa, je trouve. Hop. Voilà, j'en mets quelques-unes. Hein. Après, évidemment, c'est toujours la même chose. Et ce que l'on peut remarquer aussi qui est intéressant, c'est que vous voyez, eh bien... les murets ainsi que les vitres ne sont pas exactement à la même hauteur, ce qui fait qu'on n'a pas de, on n'a pas de connexion de texture. Et c'est super cool, c'est super design. Moi j'aime bien. Hein. Forcément, si je l'ai fait, c'est que j'aime bien, vous allez me dire, mais... vous voyez, ça fait vraiment des petites variations dans la hauteur, et ça, je trouve ça super cool. Et donc, l'idée, c'est de faire ça bah, jusque là-bas, et sur toute la longueur, évidemment, de notre barrière. Alors, pour faire le jardin, pour continuer notre jardin, on peut faire ici, là, sur la petite place qui nous reste, des petits arbres que j'aime bien faire, qu'on va utiliser... on va utiliser des barrières en chêne ainsi que des feuilles de chêne et on va faire des, comment on appelle ça, des, un espèce de tronc d'arbre fait en barrière, donc de 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur, et on va venir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs de hauteur de feuilles, pourquoi pas. Comme si c'était un arbre qui aurait été taillé extrêmement fin. Comme ça, vous voyez. Et on va mettre la même chose à côté. Par ici, par exemple. Et vous voyez, ça donne un côté prout-prout sympa. Vous voyez, un côté prout-prout design, tout ça. Ouais, pourquoi pas. Alors ici, on va rajouter deux petits arbustes qu'on va incruster dans le sol. Donc je vous invite à vous munir d'escaliers en pierre taillée ainsi que de blocs d'herbe, et à ce niveau là on va faire, j'ai mis un truc en trop, mais voilà.
À chaque fois, j'en mets un bloc de trop. Hop, hop, comme ça. Donc, deux trous, comme ça. Donc, de 4 blocs sur 3 de profondeur. On va mettre de l'herbe en plein milieu. Et on va rajouter des escaliers autour, comme ça. Et sur le côté ici, on va rajouter des barrières avec des feuilles pour donner des petits arbustes. Peut-être un bloc de feuilles en plus. Ah oui, voilà, ça fait, c'est un peu plus prout-prout, j'aime bien. Alors, on va venir prendre ce coup-ci des blocs de d'andésite. Ok, on va venir sur notre ouverture ici, comme ça. Et on va creuser dans le sol sur deux blocs de large. Jusqu'ici. En fait, vous voyez, hein, de un bloc qui dépasse. Et ce, on va prolonger notre... Donc là, on est en dessous de la piscine, donc c'est bon. Et notre trou, là, qu'on vient de faire, on va entièrement le reboucher avec de l'andésite. Pas de l'andésite poli, hein, juste de l'andésite classique. Hop, vous voyez. Pourquoi pas. Alors, en face de cet andésite là, on va venir mettre des passages piétons, un peu, en gros. Et on va faire comme ça des comment on appelle ça, des espèces de carrés. Oui, ce sont des rectangles, mais ouvrez vos chakras et vous y verrez des carrés d'andésite. Comme ça, donc de 4 de long sur 2 de large. On va espacer à chaque fois sur 2 blocs. Et on va faire ça sur tout le longueur de notre jardin. Oui, on a 2 blocs d'espace par rapport à la route. Donc, on est bien aussi. 2 blocs d'espace, 2 blocs d'espace, 2 blocs d'espace, 2 blocs d'espace, etc. Et ce, tout du long. Et donc, normalement, on arrive... hop, 1, 2, 3, 4... Hop, voilà, donc j'ai fait les trous sur la longueur. On bouche avec de l'andésite. Hop. Ok, alors, une fois qu'on a ça, on va venir ici, prendre ce bloc-là, et hop, faire une route en andésite, comme on a fait juste à côté là. Et on va venir reprendre, alors, voilà, les dalles en roche lisse, ok. Et on va faire un truc que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on va venir sur l'entrée, là. Donc là, normalement, c'est l'entrée principale de la maison. Et on va venir creuser dans le sol. Hop, comme ça. Vous voyez, de part et d'autre de la petite route en andésite. Alors, j'ai plus... Yep. Voilà, on y verra mieux. Voilà, on va faire un trou comme ça et on va remplir avec des dalles. Hop, voilà. Et ça nous fait quelque chose de plutôt sympathique. Une route qui se prolonge à l'intérieur de la maison, ce qui est quand même assez cool. Voilà, donc ici il nous reste deux petites choses à faire. Par exemple, à ce niveau-là, on va venir voilà, creuser ici pour mettre de l'andésite aussi. Hop, ok. Et alors, ici et là, on va faire deux choses. En fait, ça va être la même chose des deux côtés, mais l'idée, c'est qu'on va venir creuser dans le sol, mais pas pour mettre une route cette fois-ci, c'est pour mettre un water feature. Hop, ouais, jusque-là, pourquoi pas. On enlève les blocs qu'il y a en dessous de notre mur, et on va mettre de l'ardoise à la place, histoire de faire joli. Hop. L'idée, c'est d'attendre que ça devienne de l'herbe, hein, évidemment. Hop. Et une fois qu'on a ce genre de choses, on fera la même chose ici sur le côté. Hein. On va faire deux trucs que j'aime bien. Encore une fois, que j'aime bien. Alors, on va venir prendre les vitres blanches. Voilà. Ici, on va les mettre comme ça, par exemple. Hop. Hop. Et on va les faire monter jusqu'au plafond. D'accord, on va faire la même chose à côté, ici.
Ok. Et on va utiliser les baies lumineuses au milieu entre les entre chaque. Vous voyez là par exemple. Avec de la poudre d'os. Pour éclairer un petit peu. Et là sur le sol on peut rajouter ben des choses, des cannes à sucre, des fleurs, un peu selon vos goûts. Moi par exemple, je ne me rappelle plus ce que j'avais utilisé pour la maison qu'on avait faite à la base. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter? Des marguerites, tiens pourquoi pas, des marguerites. Oui, un bloc sur deux, pourquoi pas. Hop, ça se voit pas, c'est discret. Hop, vous voyez, donc c'est juste une petite, juste la petite tête des marguerites qu'on voit lorsqu'on est au sol comme ça. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, il faudra faire la même chose à ce niveau-là, vous voyez, genre sur une quinzaine, peut-être pas une quinzaine de blocs de long, mais sur, on a mis sur combien? Ici. Sur 15 blocs de long, bah voilà, exactement. Exactement, donc on fait ça ici aussi, ce sera la même chose à faire. Au-delà de ça, qu'est-ce qui nous manque maintenant? La barrière, évidemment, faudra la faire aussi, hein, surtout de la longueur, comme je disais. Qu'est-ce qui nous manque? Les piliers, en dessous, évidemment, les piliers de la maison qu'on n'a toujours pas fait. Il serait temps. Donc, les andésites. On va utiliser de l'andésite, ok, pour faire les piliers. Ce que je vous invite à prendre, c'est, comme repère, donc ce coin-là. Vous voyez, qui est juste en dessous de la piscine, en gros. Hein. La piscine au-dessus. Vous descendez, vous avez ce coin-là. Ok. On va sur l'herbe ici, comme ça. Et on compte... Alors, attendez. 1, 2, 3. J'ai perdu le... Il est où mon truc? Il est là. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs sur le côté, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs en dessous de la maison. Vous voyez, donc vous prenez le coin ici, 6 blocs sur le côté, 11 blocs en dessous de la maison. Et une fois qu'on a ça, on va venir mettre des piliers d'andésite que l'on va faire décaler de 3 blocs. Vous voyez, on met un mur de 3 blocs, on avance de 1 vers l'avant, 3 blocs. Un vers l'avant, trois blocs, un vers l'avant, etc., etc. Et on fera notre pilier comme ça. Hop, hop. Hop, comme ça. Et l'idée, une fois qu'on a ça, c'est que tout l'arrière du pilier, là, on va le remplir avec de l'andésite. Hop, comme ça. Hein. Hop, voilà. Voilà. Voilou. Voyez, comment on dit? Vous voyez, voilà, voyez. Voyez ce que ça donne. Alors voilà, bon, faudra faire la même chose de l'autre côté du pilier, mais c'est un peu ça l'idée, et l'idée c'est qu'il faudra faire le même pilier à chaque fois. Je vais vous donner les dimensions pour l'écartement entre les piliers et tout. Hop. Donc voilà ce que je disais, hein, 11 blocs en dessous de la maison. Et puis alors du coup, il y a combien de blocs d'espace entre les piliers? Ça je ne me rappelle plus. 15 blocs d'espace entre chaque pilier, ok. Donc voilà, après 15 blocs, faudra faire la même chose. Re 15 blocs, la même chose. Re 15 blocs, la même chose. Et normalement, si vous avez tout bon, vous arrivez ici, donc avec le coin là de la maison. Hop, d'un bloc sur le côté, d'un bloc ici comme ça, et vous arrivez ici normalement. Donc si vous arrivez ici, c'est tout bon. Vous avez vos piliers au bon endroit. Au-delà de ça, est-ce que j'ai vraiment quelque chose? Heureux. Je vous retrouve à nouveau sur la maison finie parce que effectivement j'ai fait un peu le tour et je ne crois pas avoir oublié des choses. À part évidemment la décoration d'intérieur, mais ça sera pas en tutoriel, ça sera sur une autre vidéo qui est déjà sortie. Donc pour ceux qui auraient envie de faire la décoration d'intérieur, n'hésitez pas, comme par exemple ici c'est une chambre là, vous voyez, avec ma foi plutôt cosy, n'est-ce pas? Et si jamais vous avez envie de refaire vous aussi cette décoration là d'intérieur, et bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo de visite que j'en avais fait il y a quelques jours de ça, donc mercredi dernier, j'avais déjà fait une vidéo de visite.
Bref, et si jamais vous avez envie aussi évidemment de venir avec nous pour construire ce genre de maison en live, eh bien on est en live sur Twitch au lien que vous avez dans la description ou dans les commentaires, je mettrai ça un peu partout. Voyez, si c'est pas sympa ça quand même. Bref, sur ce, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo, franchement je me suis un peu décarcassé pour vous quand même. Donc s'il vous plaît, c'est pas trop demandé je pense de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vachement plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine maison, une maison en bois cette fois-ci que j'ai envie de faire depuis quelques semaines déjà. Et puis voilà, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.